Chancelozologue, j'espère que vous allez bien. Écouter moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire ma vidéo setup, donc je vous retrouve tout de suite, hein. Je vais pas blablater trop ici en vue donc de mon téléphone. Voilà, à tout de suite. Voilà, je me retrouve donc en autre angle de vue. Voilà, on se retrouve un petit peu dans ma chambre. Voilà, vous avez la petite vue là-bas et donc ici se trouve mon setup actuel, hein. Donc je dis bien actuel parce que bientôt je vais changer monsieur l'ordinateur qui se trouve juste ici. C'est un Alienware X51 Revision 2 et en fait je vais le changer pour un PC custom parce que là maintenant il doit avoir quoi, 2 ans environ, 2 ans et demi presque, et il est un petit peu vieux quoi, voilà. Et du coup je vais passer sur un truc avec 2 GTX 1080 etc. Là il doit y avoir une R9 270 et un 4790 en i7 au niveau du proco. Enfin voilà, c'est à peu près les specs de mon PC. Voilà, là vous avez mon lit, waouh, c'est génial, c'est vraiment le détail qui compte. Ici on a mon microphone, donc c'est le Blue Yeti. Voilà, j'essaie de vous prendre un petit angle de vue sympathique. Donc c'est un Blue Yeti que j'ai acheté il y a quoi, il y a 2 ans environ, avec un stabilisateur donc de chez Blue aussi, que celui-là je l'ai acheté, je sais pas, il n'y a même pas un an, ça devait être en septembre, voilà. Et avec une perche qu'on voit ici, elle est assez classique, elle est vue pas mal de fois, je crois que c'est la Rode PSA One, si je ne me trompe pas. Donc c'est pratique parce que ça permet de bien pouvoir bouger le micro, pardon, dans tous les sens. Au niveau du clavier, qu'est-ce que c'est? C'est marqué juste ici, si ça veut bien faire le focus. C'est un G910 de chez Logitech, voilà. Ça fait 2 ans que je l'ai, environ un an et demi. Il est très bien, il est très très sympathique. C'est un clavier mécanique, voilà. Mais ouais, ça fait, comme je vous l'ai dit, du coup, un an et demi que je l'ai. Il est très très bien. Niveau du tapis de souris, alors lui, ça fait depuis Noël que je l'ai. C'est un Razer Firefly, voilà. Il est assez connu, mais franchement, on va pas se mentir, il pète, hein, avec les petites LED en dessous et tout. C'est vraiment nice. Ensuite, derrière, vous aurez pu sûrement le remarquer, il y a des LED. Donc ça, c'est des LED quoi, qui sont installés juste derrière. Alors, au niveau de la référence, j'en ai aucune idée, mais vous le savez. Ici, j'ai une petite lampe. Bon, voilà, ça c'est pas très très intéressant. Je vais la laisser comme ça. Ça fait un petit effet sympathique. Au niveau du casque, ça, c'est quelque chose qui est quand même très très sympathique. Donc c'est le SteelSeries Siberia Elite White. Il est vraiment bien au niveau du son, hein. C'est un casque qui enveloppe vraiment bien. Alors par contre, faites attention au micro, c'est de la daube. Alors si ça veut bien me faire le focus, ce serait sympa. Enfin bref, vous voyez, c'est de la grosse merde ce micro qu'il y a avec le casque. Donc si vous vous en servez, faites comme moi, prenez un micro à part, ce sera bien mieux, mais en tout cas au niveau du son, c'est vraiment hyper nickel. Ensuite ici, bon, vous avez la télécommande, hein, pour changer les LED, voilà, je peux vite fait changer, mais moi je préfère garder comme ça, ça fait un petit effet sympathique. Ensuite, au niveau de la webcam, voilà, qu'on retrouve ici, c'est une Logitech C920, voilà, c'est avec ça que je filme. Elle permet de filmer en 1080p, donc c'est très sympathique comme webcam. Moi je trouve qu'elle fonctionne hyper bien, donc écoutez, je la garde, hein, franchement, ça doit faire un an, même pas un an que je l'ai, hein, ça doit aussi faire depuis, ouais, juillet, août, quelque chose dans le genre, mais en tout cas, elle marche à merveille. Ensuite, ici, vous avez l'écran, alors lui, hop, trouver le bouton, voilà, hop, il s'allume, et voilà.
Alors lui, il est assez particulier, je pense que ça se voit. Alors déjà, c'est un ultra-wide, ce qui veut dire qu'au lieu d'un format 16 neuvième basique, c'est un format 21 neuvième. Donc ça fait qu'il est beaucoup plus large, et ça c'est vraiment sympa. Au niveau de spec, sinon c'est un 34 pouces, voilà, c'est le LG 34 UC79. Il y a peu de reflets, ça c'est pratique, de toute façon, quand on est là, le reflet ne se voit pas. Ensuite, vous avez, hop là, j'essaie de me placer ici. Donc c'est un écran incurvé, voilà, bon, de pas beaucoup, mais ça se voit quand même un peu. Et c'est vraiment un petit peu mon bijou actuel, je l'ai eu à Noël. Et c'est vraiment ce que je préfère au niveau PC. Maintenant, je m'en balais avec un petit peu du mien, vu que je vais le changer bientôt. Hein. Enfin voilà, comparé à mon PC, je veux dire, je l'adore mon écran, je l'adore. En plus d'être ultra-wide, en plus, il dispose de 140, enfin, d'un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui veut dire que la souris est beaucoup plus réactive. Ça affiche les 144 FPS que ça peut afficher. Et ça, c'est vraiment une scène où vous ne voyez pas, puisque la vidéo est tournée en 60 FPS. Mais je veux dire, ça le fait, ça fait son taf. Hein. Ça marche bien. C'est AMS aussi, ça c'est toujours pratique. Mais c'est pas vraiment le point ultime. Mais vraiment, les 144 Hz, ça vous change la vie. Je serais pas prêt à retourner sur du 60 Hz personnellement. C'est vraiment quelque chose de ouf, les 144 Hz. Voilà, c'est à peu près le point au niveau de ma config. Hein. Après, je blasphème mon PC et tout ça, mais c'est quand même un truc qui fait tourner ses rendus assez vite. Voilà. Mais de nos jours, je pourrais avoir quand même beaucoup mieux. Ensuite, vous l'avez remarqué en dessous, un cable management pas du tout de qualité. Je compte bientôt en faire un en installant un truc en dessous. J'en ai déjà un, mais je vais démonter parce que voilà. Mais bientôt, je vais hop, mettre un truc en haut là. Mais il faut que j'attende de me séparer de mon PC parce qu'il a une alim qui n'est pas à l'intérieur, qui est juste là, c'est une 330 watts, enfin c'est une toute petite alim. Mais elle ne tient pas en intérieur du PC, donc ça c'est pas cool. Au niveau de la chaise, alors qu'est-ce que c'est que cette chaise? C'est marqué juste ici, mais on ne le voit pas parce qu'il n'y a pas la lumière forcément. Hop, ouais, alors ça se voit pas très bien, mais en tout cas c'est une AK Racing, voilà. C'est le nom du truc. Je vous mettrai les liens en description, parce que voilà, comme ça sera plus sympatoche. En tout cas, vous aurez les liens dans la description, de toute façon, pour tous les trucs que je vous montre. Hein, bien sûr, c'est pas une vidéo sponsorisée. De toute façon, à mon nombre d'abonnés, il faut pas s'attendre à des vidéos sponsorisées un peu. Enfin bref, voilà, c'est à petit peu près pour conclure là-dessus. Donc, surtout mon setup, bon, je vais pas faire. Une vidéo setup non plus sur ce que j'ai au niveau lié tout ça, c'est un peu bête. J'ai des figurines Lego, enfin pas des figurines mais des constructions Lego qui doivent dater de, je sais pas, 3, 4, 5 ans, enfin, qui sont très vieilles mais qui sont là, je sais pas, je les avais mis un jour. J'ai eu la flemme de les retirer donc je les garde. Voilà. Là vous avez toutes les LED, petite figurine d'ours polaire qui est ici, qui vous fait coucou, voilà, hop! Et puis c'est à peu près tout pour ce qui est de mon setup que j'ai placé. GTA 5 ici et Battlefield 1 derrière, on ne le voit pas. Pourquoi je les ai pris en disque? Oui, c'est une bonne question. Parce que, comme certains l'ont vu sur Twitter, j'ai fait beaucoup de tweets à propos de ça. Voilà, je vous fais un petit plan sur la vue en attendant. Hop, coucou, on me voit dans le reflet, vite fait. En fait, j'ai pris les jeux en CD. Tout simplement parce que vu que ma connexion est hyper, hyper, hyper mauvaise, hein, je dois faire du 1,5 mégabits, hein, je parle bien, par seconde, environ, ouais, c'est ça. Du coup, ce qui fait que j'ai fait le calcul, pour télécharger GTA, il m'aurait fallu, par la connexion, environ 200 heures. Autant vous dire que j'avais un petit peu la flemme. Donc, j'ai pris par CD comme ça, je l'installe via mon lecteur qui est installé sur Monsieur. Et puis comme ça tout va vite et puis je l'ai. Hein. Donc ça vraiment lecteur CD pour moi actuellement c'est ce qui me permet d'installer des jeux vite et je vais pas m'en plaindre. Donc voilà les gens, je pense qu'on a à peu près fait le tour de mon setup. J'ai pas grand chose à rajouter. Moi je vous souhaite de passer une excellente soirée comme je le dis toutes les vidéos. Désolé pour mon absence qui aura été relativement longue. J'avais pas mal de trucs et puis un peu la flemme de faire des vidéos vu que je compte bientôt recommencer. Le daily upload, n'empêche, j'ai beaucoup, beaucoup de speed art en attendant. Donc, ouais, je dois encore tous les poster, mais j'en ai rec vraiment, vraiment beaucoup. Hein. Donc, attendez-vous à en voir quand même pas mal, même si je compte faire beaucoup de Minecraft aussi, parce que ça me plaît bien, voilà.
Est-ce qu'on voit bien? Alors non, on voit pas très clair, mais ici il y a un poster, enfin, un poster, un tableau de New York qui est juste au-dessus de mon lit. Voilà, c'est sympathique pour aller se coucher. Et puis voilà, donc moi je vous souhaite de bien vous porter, de passer une excellente soirée ou n'importe quoi, ça dépend de quel moment vous regardez la vidéo. Et moi du coup, je vous invite à mettre un petit j'aime si ça vous a plu, hein, vous êtes loin d'être obligé. À vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, ça fait extrêmement plaisir. Et puis c'est à peu près tout, hein. Je vais pas vous demander une fortune ou je ne sais quoi. Et moi du coup, bah, je vous dis à très bientôt les gens, portez-vous bien, c'était Léo.